OK, bonjour. C'est Château Ski ici avec notre nouvelle addition à notre caravane portée. Là, on a notre Spider F3S qu'on remorque avec une remorque de Stinger remorque. Et je vais vous montrer comment elle est attachée. Après ça, on va descendre le Spider. Puis tout à l'heure, on va serrer la remorque pour vous montrer comment on peut la plier pour la serrer. Fait que premièrement, je vais vous montrer les deux courroies que j'ai en avant pour attacher l'avant du Spider. Fait que c'est ces deux-là ici de chaque côté. Puis c'est attaché à l'essieu juste proche des roues. OK? Fait que tu passes la courroie, puis là tu mets la courroie à travers, tu mets le crochet à travers l'anneau que tu as fait. Puis là, tu serres, puis ça, c'est bon pour serrer, ça serre en masse. Le seul problème avec ça ici, c'est que il manque des supports ici sur le morceau en avant. Il y a des œils qui manquent, là. Puis c'est là-dessus que je devrais m'accrocher pour serrer. Puis à cause de ça, il faut que j'aille à l'entour du poteau, puis c'est pas aussi bon, parce que là, les courroies se collent sur les côtés, puis ça frotte, puis ça enlève la peinture, puis j'aime pas ça. Fait que je vais essayer de régler ça avec Stinger, mais pour tout de suite, c'est ça que c'est. OK, après ça, là, il y a des courroies ici. Ça, on a rajouté ça pour sécuriser l'arrière ici, la rampe. Parce qu'avant, on ne l'avait pas, puis la rampe, à chaque fois qu'on frappait une bosse, ça bougeait, puis ça l'affectait beaucoup, les pins qui sont ici, puis les vis. On a perdu une pin en arrière dans le milieu, puis on a perdu cette vis-là ici. Tu es obligé d'acheter quelque chose d'autre au Canadian Tire. Fait que là, j'ai décidé de prendre ces deux courroies-là, une de chaque côté, pour tenir la rampe ici, pour que ça bouge moins et ça cause moins de troubles avec les pins. L'autre chose qu'on a perdu depuis le début, c'est qu'on a perdu deux de ceux-là. Celle qui était en bas ici, la pin là, qui tient le poteau qui tourne, ben on a perdu deux en bas. Ça, c'est un autre trouble, ça. C'est juste en se promenant, fait que là, je sais pas si ce qu'on veut dire qu'il n'était pas correct, mais ça tenait pas. OK, de l'autre côté ici, on a encore une autre courroie pour en arrière. Puis finalement, on a une courroie ici qui s'en va sur le spider comme tel, la structure. Puis ça aussi, ça l'empêche de bouger. Fait qu'avec tout ça, ça va bien, puis là, on est content. OK. Là, on va tout enlever ça, puis après ça, on va se préparer à descendre le Spider. On prépare la roulotte pour la serrer. Fait que la rampe va descendre jusqu'ici. Okay. Là, c'est facile à la manœuvrer. Fait que là, on va déconnecter, puis après ça, on va bouger la roulotte. OK. Là, ça prend des clés pour ça. OK. OK, ce morceau électrique-là, c'est nous autres, notre connexion qu'on a ici sur notre extension pour remorquage, c'est celle à 6 lames. Là. Fait que pour aller de 4 pin à 6 lames, ça prend cet adapteur-là, parce que la remorque Stinger fait 4 pins. Là, il reste juste les chaînes et on peut le bouger. OK, fait que là, ça devrait reculer. Bon! Pas ici en avant, pour toi inverser. Fait
ici. Oh boy, il se pile là. L'arbre n'était pas complètement aligné, il fallait le lever un peu pour être capable de mettre les pins. C'est facile. OK, bon, aujourd'hui, on va finir de plier la remorque. Fait que là, la dernière chose à faire, c'est d'enlever les deux pins qui sont ici, qui tiennent ces deux parties-là ensemble. Fait que là, j'enlève celle-là, puis là, ça va remonter. OK, c'est pour s'assurer que ça, c'est étendu pour pouvoir prendre le poids une fois que cette partie-là est montée. Celui-là ici. OK. Là, qu'est-ce que ça va là? OK. OK, là je vais essayer de plier. Je pense que ce serait bien plus facile avec deux personnes, mais je vais essayer de le faire tout seul. On va voir ce que ça donne. OK. Là. D'un côté. Un petit peu à la fois. Descendre. OK. Pour leur descendre, on commence par ce côté ici. OK. On veut avoir cette patte-là en bas. Et cette patte-là, on la finit avec. On la serre. OK. Donc là, on le met comme ça. Là, on peut y mettre une pile. Le rend facile. Ça... Et voilà. OK. Il va falloir toutes les installer comme il faut après. Les mettre comme ça, juste au milieu, là. C'est facile à rentrer, c'est facile à sortir, mais on a perdu sur la route. OK, c'est tout. Merci.